Méditation Remote Viewing 2. Vous vous placez dans une posture assise confortable, favorable à la détente, à la méditation. Vous détendez le bras droit. Le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite. La jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche, parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche, parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou. Parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux. Le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu. Puis maintenant, vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle. Vous laissant bercer par le rythme de votre souffle. Et au fur et à mesure que vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle, votre état de détente s'approfondit toujours davantage. Puis à chacune de vos expirations, vous avez l'impression que vous vous rapprochez toujours davantage d'un état entre veille et sommeil. Ressentez cela profondément en vous.
Puis maintenant, vous vous concentrez sur votre troisième œil, l'espace entre vos deux sourcils. Sentez et voyez cela. Puis, en face de votre troisième œil, vous projetez l'image d'une bulle de couleur bleu ciel ou bien d'une autre couleur si cela vous convient mieux. Vous projetez cette bulle en face de vous. À chacune de vos expirations, la bulle s'éloigne de vous. Bientôt, vous voyez la bulle sortir de votre habitation. Puis s'élever dans le ciel et s'éloigner toujours davantage. Votre bulle du troisième œil est maintenant bien haut dans le ciel et très loin. Voyez la bulle se diriger vers le lieu ou bien vers la personne que vous désirez étudier en détail. Voyez cela, sentez cela. Maintenant, la bulle est parvenue à destination. La bulle de votre troisième œil demeure rattachée à vous par un très fin filament d'énergie argentée. La bulle peut vous transmettre toute sensation tactile, visuelle, auditive, olfactive, et donc vous renseignez parfaitement et totalement sur ce lieu ou cette personne. Voyez cela, sentez cela.
Que ressentez-vous? Bien-être? Mal-être? Lorsque la bulle se promène dans cet endroit ou auprès de cette personne. Que voyez-vous dans cet endroit? Auprès de cette personne. Y a-t-il des bâtiments, des engins, des personnes? Voyez-vous une pancarte avec un nom de ville marqué dessus? Donc, s'il s'agit d'un lieu, ressentez-vous des constructions en sous-sol? Donc, s'il s'agit d'un endroit, je répète, y a-t-il des bâtiments? Quelle est la forme de ces bâtiments? Les toitures, les murs, les fenêtres, les portes? Y a-t-il des engins, des personnages? Voyez-vous une pancarte avec un nom de ville marqué dessus ou des pancartes où il y a des écrits dessus? Ressentez-vous des constructions en sous-sol? Y a-t-il des engins qui volent dans le ciel? Quel temps fait-il? Sentez cela, voyez cela. S'il s'agit d'une personne, comment est cette personne? Est-ce que vous la sentez bien ou est-ce que vous la sentez mal à l'aise? Est-ce que vous la sentez en bonne santé, en pleine forme? Y a-t-il un problème que vous ressentez? Quels sont les détails du visage, de la posture, du corps de cette personne, par exemple? Est-elle seule ou accompagnée? Quel est son environnement? Sentez cela, voyez cela. Y a-t-il des bruits particuliers s'il s'agit d'un endroit, par exemple, des fonds sonores, des voix de personnes, des cris d'animaux, des bruits de machines? Concentrez-vous sur la présence de personnes ou d'autres créatures vivantes.
Pourriez-vous décrire ces personnes, s'il y en a, puis ajouter, bien sûr, vos propres questionnements, selon ce qui vous intéresse et également selon la cible spécifique, que ce soit un lieu ou une personne, selon votre démarche. Par exemple, y a-t-il des bâtiments qui sortent de l'ordinaire? Quelles sont les hauteurs de ces bâtiments? Y a-t-il une couleur qui prédomine? Y a-t-il certaines odeurs? Fait-il froid ou plutôt chaud? Y a-t-il un détail qui vous marque plus particulièrement? Bien, très bien. Maintenant, je vais vous demander de ramener la bulle de votre troisième œil, progressivement, en la visualisant, se rapprochant à chacune de vos inspirations. Voyez-la volant dans le ciel et se dirigeant très rapidement dans votre direction. Survolant bientôt le pays où vous êtes. La région, la ville ou la campagne environnante, votre habitation, pénétrant dans la pièce où vous vous trouvez. Finalement, voyez, sentez votre bulle du troisième œil regagner votre corps dans l'espace entre vos deux sourcils. Toutes ces images, ces sensations s'effacent progressivement. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée.